Donc, avant mes différents business en ligne, je vivais dans un studio avec une vie assez précaire, un studio qui faisait environ 20 mètres carrés. Et donc, grâce à la fructification de mon business en ligne, je suis passé d'un studio de 20 mètres carrés en un appartement de 200 mètres carrés. Et donc, quand je suis arrivé, je dormais à même le sol. Et donc, par la suite, j'ai aménagé ma chambre. Ma moto qui était complètement vieille et qui tombait en panne régulièrement a été renouvelée. Les habits qui étaient lavés à la main sont désormais lavés par une machine à laver. Mon ancien bureau a également été renouvelé complètement. Le séjour qui, quand je suis entré, avait des échos dû au fait que la pièce était vide, a été aménagé. J'ai également rajouté un bureau dans la chambre pour pouvoir travailler rapidement la nuit. Mes voyages et la plupart de mes longs déplacements ont désormais été VIP. Les grosses transactions et les problèmes bancaires étaient désormais VIP car j'étais un client premium de ma banque. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux voitures pour ma sécurité et aussi contre la saison des pluies. Et donc, après plusieurs jours de réflexion, j'ai fini par prendre la Peugeot 3008. Et donc, cette décision était la décision de madame, parce qu'elle voulait une voiture assez luxueuse. Et donc, du coup, on est resté sur cette idée. Et je pense que ce n'était pas un mauvais choix, hein, parce que vraiment, c'est une voiture assez stylée. Elle a des formes vraiment très extraordinaires qui sortent du commun et très originales. Donc, j'étais vraiment impressionné, en fait. Les caractéristiques de la voiture et ses fonctionnalités. Donc, de base, on voulait une couleur grise et il n'y en avait pas. Il n'y avait que ce modèle blanc. Et donc, comme il nous fallait cette voiture rapidement, on a décidé de prendre la blanche. Donc c'était la maison Camy Suzuki Peugeot qui vend des véhicules en Afrique. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait depuis? Il est en train de préparer le véhicule en fait. Pour s'assurer que tout fonctionne bien, qu'il fait des tests. Et là, il va s'apprêter à sortir. Et c'est là que j'ai commencé à avoir l'achat de poule. Je me suis dit, mais putain, donc bientôt j'aurai cette voiture chez moi, je vais pouvoir sortir avec. Et j'étais vraiment très content. Et sachez que si j'ai pu arriver à générer autant d'argent qui permet de vivre cette vie, bah sachez que vous également, vous pouvez le faire. C'est une question de persévérance, du courage, de détermination, d'ambition, de ténacité et du travail avec ardeur. Parfois dans votre vie, j'imagine, vous avez envie de faire des choses, vous vous engagez, vous vous dites tu vas le faire, vous prenez des décisions et vous ne le faites pas. Alors que c'est la décision qui va changer votre vie. Parfois vous avez peur, peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Et pour cette raison, nous n'osons pas. Nous laissons des années défiler à attendre que les bonnes circonstances soient présentes. Nous préférons nous trouver des excuses plutôt qu'oser y croire. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, la bonne enfance, les bons parents, la bonne éducation, la bonne intelligence. L'excuse que c'est dur. L'excuse que certaines personnes ont essayé et ont échoué. Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi. C'est risquer d'être heureux et peut-être même de réussir. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y en aura plus aucune chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous allez réussir, mais en arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors, pourquoi ne pas tenter? Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous pouvez le faire. Michael Jordan a été viré de son équipe de basket considérée comme trop mauvais. Il a été refusé 3 fois pour entrer dans une école de cinéma. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'il a cru, il est arrivé.
mais que s'il avait écrasé son rêve, on n'aurait jamais connu son nom. Parfois, nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves, car on se dit c'est trop grand. Les résultats n'arriveront jamais ou dans trop longtemps. Mais se dire ça, c'est oublier les cadeaux au quotidien. Les récompenses de chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède, mais pas la personne que l'on est devenu. Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui? Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain? Est-ce que si je vous montre exactement comment faire, vous allez continuer à passer à l'action? Si je vous montre comment optimiser sa publicité, si je vous partage toutes mes stratégies et vous montre en détail comment les rendre extrêmement profitables, est-ce que vous allez continuer à passer à l'action? Est-ce que vous voulez vraiment changer votre vie? Ou est-ce que vous êtes prête à créer des publicités Facebook rentables en 7 jours? Vous avez le choix entre deux chemins différents pour votre réussite. Et la meilleure manière de vous expliquer cela, c'est grâce à ces deux images. À gauche, imaginez vous êtes dans une jungle. C'est la jungle du marketing numérique, c'est la jungle du business et vous n'avez jamais lancé de business. Vous arrivez dans cette jungle, vous n'avez pas de point de repère, vous ne savez pas exactement comment la naviguer, mais vous savez qu'il y a un endroit dans cette jungle qui a une mine d'or. Et cette mine d'or, c'est atteindre l'indépendance financière. C'est réussir à avoir un business rentable qui vous permet de complètement transformer votre vie. Donc vous êtes dans cette jungle et vous avez deux chemins différents. Donc vous avez essayé de naviguer cette jungle et d'essayer de trouver cette mine d'or. Vous ne savez pas exactement par où aller, le chemin n'est pas facile d'accès. Il faut couper des branches, vous allez vous perdre, vous allez faire d'énormes détours, etc. Et donc il y a énormément de chances que vous alliez complètement dans la mauvaise direction. Que vous vous perdiez et que vous finissiez par abandonner sans jamais atteindre cette mine d'or. Mais si vous êtes super déterminé et que vous avez un petit peu de chance et que vous avez déjà un petit peu d'expérience dans le domaine de la vente en ligne, il se peut que vous arriviez quand même à tomber sur une mine d'or et vous atteigniez vos objectifs. À droite ici, on est dans une situation complètement différente. C'est la même jungle, mais il y a quelqu'un qui a déjà trouvé cette mine d'or. Il a passé des centaines et des milliers d'heures qu'il fallait pour maîtriser cette jungle du business en ligne. Et puis, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait construire une route. Donc il est parti de la mine d'or et a fait une route magnifique, toute plate. Un chemin qui vous fait quitter de votre situation actuelle et vous permet d'atteindre directement beaucoup plus rapidement la mine d'or sans faire de détour et en faisant moins d'efforts pour cette magnifique mine d'or. Et bien cette situation-là, c'est celle devant laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez le choix de vous débrouiller tout seul, c'est extrêmement difficile, 99% des gens n'y arrivent pas. Vous avez le risque de perdre énormément de temps et d'argent, plusieurs mois et plusieurs milliers de dollars. Ou alors vous avez la deuxième solution qui est celle que j'ai toujours décidé d'emprunter, qui est tout simplement de se former. D'apprendre d'une personne qui a déjà des résultats que vous voulez obtenir et de suivre ses conseils à la lettre en mettant toutes les chances de votre côté et obtenir des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas réussir tout seul. Il y a des personnes qui réussissent, mais c'est une énorme minorité. Il y a plein de personnes qui se disent « Oui, je vais essayer moi-même comme ça au début. Ensuite, quand j'aurai mes premiers bénéfices, je vais réinvestir pour pouvoir être accompagné et avoir des meilleurs résultats. » Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment, dès le début, avoir les meilleures stratégies. Des informations actuelles si on veut pouvoir générer du bénéfice et éviter de perdre de l'argent dans les publicités. C'est pour cette raison-là que les personnes qui ont décidé de prendre le chemin à droite ont plus de chances de s'en sortir car j'ai décidé de faire une formation pour partager absolument tout ce que je sais. Et cette formation-là s'appelle Training FBO. C'est de loin l'une des meilleures formations d'Afrique francophone dans le marketing. Elle vient d'être mise à jour intégralement. Dont la valeur de cette formation pour moi est de 387 500. J'ai montré la formation à mes amis qui sont un peu dans le même domaine que moi. Ils m'ont dit « Ta formation est vraiment géniale, tu devrais la vendre à 700 000. »
Je peux comprendre que 700 000 pour une formation, ça paraît beaucoup, mais sachez que ce n'est pas une formation qui vous apprend à cuisiner ou quoi que ce soit, c'est une formation qui peut vraiment changer votre avenir financier et votre avenir professionnel. Quand on parle de formation dans le business en ligne, ce sont des formations qui coûtent facilement plusieurs milliers et millions de francs CFA. Mais je ne vais pas vous vendre cette formation à ce prix-là. D'habitude, on la vend à 177 500. Mais étant donné que vous avez regardé cette vidéo en entier, vous faites partie des personnes motivées qui passent réellement à l'action. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de spécial. Je vais vous proposer cette formation pas à 387 500, pas à 177 500, mais à 77 500. Sachez que cette offre n'est valable que pour les 100 premiers. Comme vous le remarquez, le prix de la formation va augmenter en fonction du nombre de ventes. Ça va diminuer énormément la concurrence, parce que sachez que si la formation continue à être vendue à 77 500, elle va très vite être saturée parce que tout le monde pourra s'en procurer et il y en aura énormément de concurrence. Il est question ici de privilégier les 100 premiers, donc veuillez passer à l'action maintenant. Vous avez la chance de l'avoir moins cher et vous aurez moins de concurrents parce qu'avec le temps, le prix va augmenter. Donc les 100 premiers payeront 77 500 et les 200 premiers payeront 87 500. Ça veut dire qu'à partir de 101 ventes, le prix de la formation sera déjà à 87 500. Et à partir de 201 ventes, le prix de la formation sera à 137 500. Donc veuillez passer à l'action maintenant. Ensuite, là c'est un paramètre très important. Là ce sont des statistiques des ventes d'une de mes marques en 2020. Bon, j'ai montré une qui m'a impacté parce que le reste est privé. Donc là vous pouvez remarquer que la première colonne ici ce sont les mois. La deuxième colonne ce sont les dépenses qui ont été effectuées chez le fournisseur. Ensuite là on a la publicité Facebook, ici on a notre marge bénéficiaire et là on a le chiffre d'affaires. Donc vous pouvez remarquer qu'en janvier on avait mis 1 700 000 et on a vendu 8 millions à peu près, 8 millions 700 000, il y en a eu un bénéfice de 3 millions. Là c'est après avoir enlevé la publicité sur le chiffre d'affaires et le total dépensé pour l'achat du produit. Là également ici on peut remarquer que on avait dépensé 1 400 000, on a fait 8 millions, il y en a eu 3 millions à peu près de bénéfices. Là on a dépensé 2 400 000, on a fait 13 900 000. Là c'était un max et donc là ça a continué à fructifier ainsi de suite. Et donc ici on a eu quelques soucis avec les employés qui commençaient à détourner un petit peu les clients, c'est d'avant laquelle on a chuté un petit peu. Mais dans la formation je vais également vous montrer comment protéger vos données pour éviter la cybercriminalité. Donc voilà, au final, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, on a fait un bénéfice de 31 millions pour un chiffre d'affaires de 88 millions. On a dépensé 17 millions dans la publicité et 38 millions à peu près chez le fournisseur. Donc, pour vous apprendre à manager autant d'argent sur Facebook, ça sera uniquement dans une formation payante parce qu'on ne peut pas faire des tests en dépensant assez d'argent pour une formation qui sera gratuite en fait. Donc voilà, c'est uniquement dans les formations payantes qu'on pourra vous montrer comment manager ce genre de budget. Donc voilà. Bonjour coach, moi c'est Gaëlle Fauquois. Je voudrais vous remercier vraiment parce que je suis encore dans la première semaine, mais j'ai déjà acquis beaucoup de connaissances. Je voudrais vous présenter la campagne publicitaire que j'ai fait, ma toute première campagne qui est déjà active. J'ai déjà des retombées, j'ai déjà eu deux premières retombées, deux contacts clients. Et je voudrais vous dire merci, vraiment c'est super votre formation. Allez de l'avant et que Dieu vous bénisse. Cependant, qu'est-ce que vous recevez après l'achat de la formation? Vous allez recevoir un accès à notre groupe VIP de la formation, dont à l'intérieur, il y aura tous les membres de la formation. Vous pourrez poser des questions auxquelles je pourrai répondre. Les membres de la formation qui auront un niveau avancé pourront aider des tout nouveaux débutants et ça pourra m'alléger moi la tâche. Ensuite, vous allez recevoir la formation dans un délai de 5 minutes maxi. Vous allez recevoir un mail qui va vous donner un accès direct à la formation. Donc voilà, sur ce, passez, je sais pas si vous regardez la vidéo en journée ou la nuit, passez une bonne soirée si c'est la nuit et passez une bonne journée si c'est la journée.